créer un nouvel élan à notre fédération. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Le modèle économique du judo, c'est un modèle fragile aujourd'hui. Le modèle des athlètes, c'est un modèle fragile. On a vraiment aujourd'hui beaucoup de mal à trouver des fonds dans tous les clubs. Et c'est pareil pour les sportifs. On a peut-être une vingtaine de sportifs qui gagnent bien leur vie, mais tout le reste, c'est de la galère. La ligue de foot, la ligue de hand, de volley, ils sont puissants, les présidents de club, hein, parce qu'ils écrivent l'histoire ensemble. Hein. Ils prennent des décisions ensemble aussi. Hein. On s'est entouré des meilleurs du monde du sport. Que ça soit Havas ou Infront, ce sont les meilleurs. Aujourd'hui, on a présenté au plus grand club français ce nouveau projet qui est la Judo Pro League. C'est un projet qu'on a en tête avec des entraîneurs de club ou des présidents de club depuis de nombreuses années. On est content de concrétiser ce projet aujourd'hui. On a vu beaucoup d'engouement, on a vu beaucoup de questionnements, mais c'est un projet qu'on va construire entre la fédération et avec les clubs de haut niveau français. Il n'y a que 16 places de disponibles, ça ne fait pas beaucoup. 4 en Ile-de-France et 12 dans les régions. On veut que ça soit un projet régional. Partout en France, on doit avoir du haut niveau. Et donc, on prendra les meilleurs projets, les projets les plus aboutis pour développer au mieux cette Judo Pro League.